servait à cette icône de la musique congolaise des hommages délirants et haut en couleur. Je pense ici spécialement aux populations de Kimbanseke, de Massina, d'Njili, qui lors du passage du cortège funèbre ont prouvé tout l'amour qu'ils portaient à l'illustre disparu. Mention spéciale aux habitants de Bandalungwa qui, pour la quête de la dépouille mortelle, ont mobilisé un nombre impressionnant de véhicules et supports de tout genre pour marquer leur attachement à Kesser. Aussi, au regard de tout ce que King Kester et Menea a accompli dans notre musique, apporté comme valeur dans la société congolaise, afin d'honorer et d'immortaliser sa personne, devenu un véritable patrimoine culturel congolais et africain. Le gouvernement provincial de Kinshasa a-t-il décidé la baptisation du terrain municipal de Bandalungwa qui désormais s'appellera Stade King Kester Emenea. Batata ba mama ya Kinshasa, pokombo ya Emenea etikala seko na Kinshasa, stade municipal ya Bandalungwa. Kombo nango a partir à l'élo et comme stade King Kester Emenea. À cet égard, j'annonce que dans les prochains jours, ce stade fera l'objet de travaux de rénovation dont la construction de murs, de clôtures et la plantation de la pelouse sur l'aire de jeu, afin d'en faire un lieu de loisirs digne de la personne dont il portera désormais le nom. Pour nos frères et sœurs de Kikwit, monsieur, je vais te faire arrêter. Pour nos frères et sœurs de Kikwit, le gouverneur de Bandundu, le gouverneur de Kinshasa, confirmons notre engagement pour l'érection d'un monument à mémoire de King Kester à Kikwit. Pour la Nekolabiso à Kikwit, Batata, Bamama à Kikwit, gouverneur de Bandundu, le gouverneur de Kinshasa, Tokotonga monument monene pona Kester na mboka ya Kikwit. Pour clore cet hommage funèbre, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour le don de vie que par sa bonté et son amour infini, il a eu accordé à Kester tout au long de son passage fructueux sur la terre. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Très cher Jean Mubiala Kwamambo King Kester Emenea, cher petit frère, c'est de la poussière que tu as été formé. Voilà aujourd'hui, tu retournes poussière. Nous les Kinois, et au-delà de nous, les Congolais, les humains, te disons merci pour l'œuvre accomplie et pour ce qui a été pour nous. Adieu, et que ton âme repose en paix. Nakosenga bolimisi
na bartiste musicien bozali bakolo matanga mama chala mwana okoki kotomboka te mama mbila belo okoki kotomboka te bozali bakolo matanga soki mwa kokoso esali bolembisa biso na koloba lisusu boye mbula eza koya ntango ekei natie babisi mibale mpona musicien bokota na bafoto na bino na kati ya babisi tokende nango na cimetière nasengi bolimbisi mpo soki tomeki sikoyo totya bafololo nakosenga na bana Kinshasa mokonzi ya assemblée azokoloba libwasuka basango bakobenir nzoto ya moei bozala na calme tobimisa kor ya ndeko na biso baartiste musicien nabondeli bino soki polisie atindikaki bino soki bokoki kopesa bafleur te sikoyo tosima nzela tokende na cimetière eza matanga na bino merci mingi. C'était le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Toujours, nous sommes ici, toujours au Palais du Peuple, dans pas très longtemps. Kinkester Emeneya sera conduit en sa dernière demeure et l'ambassadeur Jean-Charles Coteau, qui présente ses condoléances à la famille biologique de l'artiste Kinkester Emeneya, qui était son ami depuis Kampala et son ami de chambre, que l'âme de Kinkester Emeneya repose en paix. Alors tout à l'heure, j'ai reçu des artistes musiciens qui se sont plaints quelque part de l'organisation, par rapport à eux surtout. Alors je reçois M. Gabi Chamadi, qui est dans l'organisation des obsèques de Kinkester Emeneya. Gabi Chamadi, bonjour. Bonjour, maman, il est là. Au regard de toutes ces doléances, quelle est votre réaction? Non, je pense que... Bon, je préfère peut-être parler à Lingala, comme ça les artistes vont mieux comprendre, voilà. Tolo baboué, balamanze mbo, bami leli, babi ezalo kola, baye kotika ba politicien, na matanga na bango, bango ba se retrouve te, et si ka bango alokumu bobongi si te, ceux qui ba koyembe la kester, ezape te, alors Gabi Chamadi, kiti sabiso mite, ma yebi sabiso, ezape nzanin. Je vais rapidement répondre. Les officiants des absoutes de ce jour, parce qu'il me semble que c'est le moment le plus important avant l'inhumation, après les différentes interventions appropriées et du ministre de la Culture et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a fait les oraisons funèbres, et du gouverneur de la province du Bandundu. Et donc, la pluie nous a envoyé déjà trois messages. Il convient de respecter ce message. Trêve de discours, l'éloge a déjà été fait. Je voudrais tout juste noter que nous nous retrouvons dans l'enceinte du Palais du Peuple. C'est au lieu de culture. C'est au lieu de culture qui n'a été que à titre intérimaire, cédé au Sénat et à l'Assemblée. Si nous nous retrouvons dans ces hauts lieux de culture, c'est parce que la circonstance de ce jour concerne un grand homme, un grand artiste, une icône de la musique congolaise, notamment après Taboulé, à savoir Kester Emeneya. Je venais de le dire, les éloges ont été faits. C'est le moment, en toute conscience, en silence, dans la mesure du possible, de participer à la cérémonie des absoutes, afin que, dans le respect du temps et de la pluie, nous puissions accompagner l'âme de notre cher frère, nous puissions déposer l'enveloppe qu'il a portée pendant tout son temps sur terre, l'enveloppe qu'il a soutenue pendant tout son temps, pendant qu'il chantait, qu'il dansait, qu'il se vêtissait, à l'honneur du peuple congolais, à l'honneur de ses frères et sœurs de la province de Bandundu, à l'honneur
de ses frères et sœurs du Kwilu et de sa tribu. Il était un homme détribalisé, un homme sans province, un homme sans patrie, un citoyen de ce monde, un simple citoyen de ce monde. Et la présence massive des Kinoises et Kinois dans l'hémicycle, dans l'enceinte du Palais du Peuple, c'est l'éloge le plus clair, le plus pratique de cette journée. Je termine en félicitant le comité organisateur. Depuis que nous avons appris la triste nouvelle, dirigée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je félicite aussi la population de Kinshasa pour avoir respecté les prescrits édictés afin que tout se passe dans la dignité. Et j'espère, je suis convaincu, qu'il en sera de même jusqu'au cimetière. Au nom du président de la République, au nom des députés nationaux, je réitère les condoléances à la famille de Kester et Menea. Je réitère notre profonde compassion et je puis m'engager à affirmer que nous les appuierons jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Obey Minaku Njala Njoku. Les messages de condoléances pleuvent de partout. C'est le cas de celui du président Chiko Tumba, mais aussi de J.R.I. Koliké d'Orsay, de staff BCBG de Paris. Alors, Gabi Chabani, Nalobi Boué. Artiste et monsieur Obaza, Nabiso Obaza, comme il est là. Nalobi, Nalikambo Emene, Aboutier, Bobo, Bobo, Moussika. Et ça, le coup, il y a des politiciens, des coups de l'île de Kounabango, 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 des coups de l'île de Bon, d'abord, Matanga, il y a Kester, il y a une bandale. L'artiste Nyon, il y a une bandale. Il y a une bandale, il y a des politiciens. Après, vu le niveau, il y a Kester, Ran, le gouverneur à ville, à Sengonamboka, qui va honorer la bonheur nationale. Basali matanga moko officiel au monument premier ministre Ali et puis place ba konzi ba Ali officiel comme une protocole d'état et comme un programme moko officiel to sali réunion na ba musicien ba proposition nyonso basali programme na bango ba pesi programme programme ba imprimer ango ba imprimer programme ba distribuer programme ba laxi programme à télévision na programme wana la corporation d'artiste Papa Lutumba, Kofi Olomide, Panyoka Longo, artiste tout basangana qui kuna na biso na Congo web, basali ba pesio ya bango programme ndenge ba kosala. Alors la programme na bango balabaki te ke ba kosala en place. Imaginez-vous, ba artiste ba plus de mettons 5 L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Honorable excellence, nous allons suivre une brève exhortation avant de commencer le rite des absoutes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au 10e chapitre, du 14e au 16e verset, Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les conduise avec les autres. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » Sœurs et frères dans le Seigneur, tous nous savons que Jésus-Christ est le bon pasteur. Et pour que nous ressentions les effets de ce qu'il est comme pasteur, il nous est demandé de vivre dans l'humilité, de suivre sa voie, afin que lui nous protège et nous serons toujours ses meilleures brebis. Notre frère Jean Moubiala
l'a connu dans sa vie. Il a voulu abandonner toujours sa vie entre les mains de ses bons pasteurs. Puis ses bons pasteurs puissent l'accueillir dans son royaume et qu'il bénéficie de tous les avantages de ceux qui lui sont fidèles. Amen. Maintenant, nous allons commencer les absoutes. Que chacun reste à sa place. Libérame Domine, Demo et Eterna, Indie ila Atreme. Factus sum ego et meo dum discos eo venerit atque ventura ira quando celi Tu sais, mamie, la vie de l'homme, ce n'est pas dans le nombre de ses jours, mais c'est dans le souvenir qu'il laisse. Et de ce point de vue, de par sa contribution à la promotion de notre culture, Kinchester et Méné nous laisse, nous lègue en tout cas un immense souvenir. Alors, je suis extrêmement touché parce que j'ai eu affaire avec lui une des plus grandes et des dernières émissions de sa vie, et à travers l'émission Face des Maisons Blanches qui va passer peut-être, sauf changement de programme, tout à l'heure sur les antennes de la télévision nationale à partir de 14h05, Face des Maisons Blanches, Kessler était très fatigué, il était épuisé, convalescent, mais il avait tenu à honorer ses engagements vis-à-vis des téléspectateurs au travers de l'émission Face B. En réalisant cette émission avec moi, il était prévu de produire avec lui 20 playbacks de sa discographie. Mais malheureusement, ce jour-là, il était très fatigué. On en a produit 10. Il voulait qu'on fasse encore plus après. Je n'étais pas disponible. Et aujourd'hui, je les regrette amèrement. Voilà. Regret partagé. Regret également de la part de Kofi Olomide, mon pauvre Mokondi, qui de cœur est avec ce que nous vivons à Kinshasa parce que de sa très très bonne volonté, Kofi Olomide, qui faisait partie du comité qui organisait les obsèques de Kinchester et Menea, et bien au moment où je vous parle, il est à Harare, en Zimbabwe. Il est pratiquement parti dans le même avion que le président zimbabwéen Robert Mugabe, qu'il a pris au pied levé pour aller agrémenter le mariage de sa petite fille. Kofi Olomide regrette cette absence aux obsèques de Kinchester Menea, ou encore via, comme Kinchester l'appelait affectueusement. Et ici, nous sommes toujours au Palais du Peuple, mesdames et messieurs, en direct, des obsèques de Kinchester Menea qui vont avoir lieu tout à l'heure au Palais du Peuple. Et là, oui, c'est les aléas du direct
Excusez-nous, mesdames, messieurs, je vais libérer Paulin Mukendia Yves Kambala et recevoir le maire adjoint de la ville de Kikwit, Dodo José Kongolo Mibeko, la loi. Ça, c'est parmi les dames qui ont soutenu nos artistes musiciens. Eh bien, José Kongolo partage la douleur de la séparation, de la disparition de Kester et Menea, de Gabon où elle se trouve. Madame Patience Dabani présente sincèrement ses condoléances à la grande famille musicale de Congo-Kinshasa de suite de la disparition de Kester et Menea. N'eût été son programme déjà chargé au départ, eh bien, Patience Dabani serait avec nous ici à Kinshasa des cœurs pour assister elle-même aux obsèques de Kester et Menea. Les artistes et musiciens sont très nombreux ici. Je tenais quand même à signaler que Kofi Olomide est à Harare en Zimbabwe, pris à pied levé par le président zimbabwéen pour agrémenter le mariage de sa petite fille. Malgré sa très bonne foi, mon père ne pouvait pas être aux obsèques de Kester, mais il est en Zimbabwe et il le regrette. Il est de cœur avec ce qui se passe ici à Kinshasa. Je le dis, nous sommes toujours sur le plateau de Caribou, très très spécial, qui se tient ici en direct au Palais du Peuple. Quelques heures, Moutouazamane, Kwangolo Zoso sera conduit à sa dernière demeure. C'est pourquoi je reçois sur ce plateau le maire adjoint de la ville de Kikwit qui a fait les déplacements avec une forte délégation de Nompang de Kikwit. Dodo Basilic, qui nous suit également, partage cette douleur. Il prévoit un petit geste, un petit peu aux amis de Kinkester et Menea. Sam Tintou. Sam Tintou peut me rejoindre déjà. Alors, monsieur le maire adjoint, bonjour. Bonjour, Mama Ilena. On est à Kikwit. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Qui m'est allé? Bonsoir, il y a Bango et Zala qui ont été au Kakiango. Pour les là-bas, à Kikwit, il y a un Kester, à Kikwit, au Kakiango. Ce que je veux dire, c'est que bon, je crois que c'est vrai que Kester a Zala qu'on a vu son yosso, mais Kester appartient à une famille aussi. Donc, Tango Koufi, moi je crois que décision, il y a Luboso. Et Zali, il y a famille. On a décidé, c'est tout ce que nous avons fait comprendre à notre population, qui ne dépendait pas de nous. En tant que responsable, il y a décidé, la place où il faut Kunda Kester, donc famille, Basenga qui va Kundaye, na Kinshasa, nous ne pouvons que nous plier. Alors, na kikuti ko yo ya wa yasolo kasi organisation ni zosel makuna kwa bande kwa biso kikuti ne ba kulanda sko matanga kester bo ba bango ba lengeli nini kuna pona ko kanisa ndeko na bango. Oui, sur place organisation munene et Salemaki sous impulsion ya son excellence gouverneur Jean Kamisendu na bande Ndouville et puis na kikuti sur place. Poser les moyens oyo ko kan ko permettre batou on a organisé veillée mortuaire, na honneur, il y a des conabis sur le stade, et ben d'agi lobby. Donc on a dingue tout ça pour cela, non, boyé, l'activité est encore continuée. On a invité qui va orchestrer une union sur la Kikwit. On a qui pour y a pour bêta, à côté du stade, l'activité union sur les autres qui bien banda lobby, balala qui les banda, concert et bêta mi boutou boutou. Puis na tongo tant que tout ça pour cela, boyé, on concert les a pour bêta ma toujours. Et puis président y a assemblée honorable Ben Mina. A participé, il a contribué pour que l'activité Nyon Soana et les cas malam. Monsieur le maire adjoint de la ville de Kikwit, merci beaucoup. On est ensemble, on a obsèque à Kester, je sais, en direct, à Palais du Peuple, les artistes, un dernier mot, monsieur le maire. Oui, un dernier mot, na linga kina yebisabana bana Kikwit Nyon Soba ou balinga ka musique, et président et assemblée honorable de Minaku, Zoya Koti Kelabis. Instrument qui a mouné dans la Katia Kikwit. Juste pour nous préparer, Kester Akoufi, d'accord, il va rester égal à lui-même, mais Kester Moussous, c'est pas qu'il y a lobby. C'est toujours dans ce cadre que le président de l'Assemblée a mouné que c'est important. Je crois dans trois semaines, parce que côté qu'il y a un instrument qui a mouné pour permettre de tout encadrer jeunesse à la musique. Grand merci à l'honorable président Obemina Kondjalanjoku pour ce don d'instrument qu'il va faire à la population de Kikwit pour le soutenir. Dans le domaine de la musique de Guinée-Conakry, Amadou Djabi a appelé. Il pleure, Kinkester et Menea. Ils sont trop nombreux qui nous appellent à travers le monde. Kesseman, à Paris également, partage cette douleur. Les artistes présents qui sont avec nous. Je suis avec Sam Tintou chez Kevara, que je vais recevoir tout à l'heure. Le temps de vous proposer cette autre chanson
composé par le coach Rokito, qui lui aussi pleure et mené à sa manière, comme c'est le cas des actrices Arlette Zoua et Hubert Kambaji à Paris. En image, l'ascension de coach Rokito. Navandina ndako na kota la télévision, émission ya l'épanier. Nayoki communiqué ya mawa, barobinanga emene ya hawe. Na favori na toi nayoka, suki ya moto epansani makila epansani. Nabandi kolela, mene ya ki. Tense mobimba tolelio emenea o mabeleli sinsambeo o memeli biso bato ebele balali boso tokutanaka na yo na emission na Vatican bakalanga lekisala mosala na yebi ya sololo bakalanga boye mbala mibale tokutani na yo na kitambo okiki na motuka opesi santos mutubile mbote. Manifester à Emenea pour l'ensemble de son œuvre à travers l'hommage vibrant qu'ils lui ont réservé. Et enfin, je ne manquerai pas de remercier le comité d'organisation de ses funérailles ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu la famille en ce moment douloureux. À toi, mon bien-là, Emenea. Jean,
qui a bien porté le nom de cette famille et qui l'a transportée aux quatre coins du monde et qui a amorcé le voyage vers le repos éternel. Nous n'avons qu'un seul mot, merci. Merci Jean, pour tout ce que tu as été pour nous. Tu resteras à jamais vivant dans nos souvenirs et nous veillerons à ce que ton nom jamais ne disparaisse et que ton œuvre perdure et traverse le temps et ce travail-là, tu l'as déjà toi-même fait car ton œuvre est intemporelle. Emeneya, merci pour tout et repose en paix. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Yende Akosala, aux raisons funèbres, Dame Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, Culture et Arts, Akosala, Asiliti Maloba. Son Amano et Akolis Namusala, Bazaliawa, Sampayo, Gimole, Sampayo, Nagi, Mapamboli, moi la Coloise, Eric Massoudi, ok, Sampayo. Tout ça, la matinée, tata la binote. Est-ce que moi, le Bézali, dernière organisation, ils ont les cabos, moi, dernier. Bon, non, surtout, gouvernement Sali, tout c'est Peli. Bah, si, balélié, la trempe, la combonaïe. Mais alors, moi, Moukera, tu regrettes, moi, Mouké. Tout d'abord, au nom de mes frères et sœurs, et au nom, bien entendu, de la famille Moubiala, je tenais à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, pour sa sollicitude, l'honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Aubin Minakou, le Premier ministre, Monsieur Matata Ponyo, pour sa compassion, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Son Excellence, Monsieur André Kimbuta Yango, pour son engagement et son soutien, le gouvernement de la province de Bandundu, Son Excellence, Monsieur Jean Kamisendu Koutouka, pour toute son aide, les amis proches de papa, dont l'honorable Adolphe Mouzito, Monsieur Albert Kasongo Mukonzo, Monsieur Didi Kinoani, Monsieur Bienvenu Kamba, Monsieur Claude Malouma, Monsieur Guy Kimvula, Monsieur Lolo Moutima, l'honorable Marie-Ange Lukiana, ainsi que l'honorable Jolie Kenda et tous ceux qui nous ont soutenus. Nos remerciements s'adressent aussi à nos frères et sœurs de Kikwit, du Bandundu et de toute la République démocratique du Congo, ainsi qu'à tous les fans de notre père. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Excusez-moi. Monsieur le ministre de la Culture. Excusez-moi, mon frère, l'un de mes frères, Yannick, va ajouter un mot, s'il vous plaît. King Kester Emenea. Merci. Un artiste complet. Un artiste hors pair. Un homme de grande envergure. Chacun de ses faits et gestes était empli de prestige. C'était un homme remarquable, un père exemplaire. Dans la vie d'un homme avec un grand H, perdre un parent est une lourde épreuve. Aujourd'hui, nous avons perdu notre père. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de me demander quels sont les souvenirs que nous aurions pu encore fabriquer ensemble s'il était toujours en vie. C'est donc dans un chagrin indescriptible, au paroxysme du respect de sa dignité, que j'implore le peuple, le pays, la famille à faire preuve de paix en cette journée et de discipline.
Vivre pour chanter. Chanter pour vivre. Chanter pour nourrir son prochain. Chanter pour apaiser son prochain. Chanter pour rire et danser. Chanter pour instruire la paix. Chanter pour l'espoir. Chanter pour Dieu. Tel était l'étendard de mon père. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, messieurs les membres du bureau, monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la province de Bandundu, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, il n'y a pas longtemps, qu'ensemble nous pleurions ici, Taboulaye, alors que les larmes ne se sont pas encore asséchées, voilà que nous sommes encore frappés par un destin bizarre, la mort de Kingster et Menea. Je voudrais en liminaire, au nom du président de la République, du gouvernement de la République, présenter mes condoléances les plus émues à la famille éprouvée. Je voudrais en même temps en profiter pour féliciter le comité d'organisation pour son sens élevé d'organisation, de détermination, d'abnégation, parce qu'il tenait des réunions jusque tard, sous la conduite du gouverneur André Kimbuta, lui qui connaît les jeux et le joueur. Quant à celui qui est mort, dont nous saluons la mémoire, je dirais, comme disait Salluste, qu'on ne doit pas traverser l'existence sans laisser des traces. Et Menea a laissé les siennes. Il a apporté un génie dans la musique congolaise. Il n'était pas que musicien. Les orateurs de talent ont brossé ce qu'il fut. Il fut aussi sapeur. La sape, quand on l'analyse, on entre dans le temps de temps. On voit que ce sont les disciples de Horace. En latin qui, dans une ode, disait « carpe diem », c'est-à-dire « profite du jour présent ». C'était ça la philosophie des gens de Horace, que je crois les sapeurs partageaient. En ce qui vous concerne, Emenea, je vais paraphraser Simone, qui est un auteur français bien connu, pleurant une de ses filles, qui est morte brusquement. Il avait dit, Simone, tu es morte, mais tu sais que les morts ne sont pas morts pour ceux qui les aiment. Je dirais donc que Menea, tu es mort, tu sais que tu n'es pas mort dans le cœur de ceux qui t'aiment. Et ils sont nombreux. Et que sa mort puisse inspirer tous les artistes congolais, afin qu'ils imitent l'essence du travail, l'essence d'union, l'essence d'organisation, l'essence de discipline. Que ton âme repose en paix. Merci infiniment. Merci, Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Culture aura en même temps parlé au nom des artistes. Sur ce, nous invitons la province de Bandundu de parler au travers de son représentant qui est Son Excellence Monsieur le Gouverneur Kamisendo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences Monsieur le Premier ministre, Excellences Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts,
Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs de la culture, d'ici et d'ailleurs, chers frères et sœurs, qui quittent l'actuelle métropole économique et culturelle de près d'un million d'habitants n'était alors qu'un centre extra-coutumier de plus de 13 000 habitants, structuré en quatre quartiers, la ville basse, Poto-Poto, Ouézé et Bruxelles. Avant qu'il n'acquiert en 1970 le statut de ville, le centre créé en 1898 était reconnu comme la capitale intellectuelle et culturelle du Kwango Kwilu, célèbre par son réseau scolaire. C'est dans ces carrefours d'échanges culturels et commerciaux, et peu avant l'accession de notre pays à l'indépendance, que la famille Mubiala accueille dans la joie la naissance de son fils Jean. Ce dernier hérite un nom significatif, Mubiala, le nom dont une altération phonétique a été transformée à Mubiala. Comme plusieurs jeunes de sa ville mythique, Jean Mubiala quitte sa terre natale après ses études primaires et secondaires, un séjour au Katanga où il s'initie à l'université de Lubumbashi en sciences politiques et administratives pour se lancer en 1974 à la conquête du monde via Kinshasa. Plus que la politique et l'administration, le jeune Jean Mubiala a une passion qui anime profondément. La musique, une passion qu'il va partager tout au long de sa vie avec nous, avec ses frères et sœurs de tous les continents. Toute sa vie a été un pèlerinage à travers divers groupes musicaux qu'il se dote avant de se doter en 1982 de son propre groupe Victoria Eleison. Sur l'itinéraire de sa destinée, il a rencontré des grands de ce monde, des personnalités du monde des arts et de la culture, des acteurs politiques, des opérateurs économiques de haut rang, sans se détacher pour autant du peuple et de la jeunesse avec lesquels il est resté en communion tout au long de sa vie. Pour la jeunesse qui, à travers le monde, l'adorait comme son modèle, Kester Emenea a été un vrai king. Le roi de la musique, le roi de la sape aussi, au service du beau, du bien et de l'agréable. Un roi dont l'un des mérites est d'avoir réussi à allier avec maîtrise la tradition et la modernité dans sa musique. Il dispose d'un pressbook unique. Il a introduit le synthétiseur dans la musique congolaise, mais on dit aussi en Afrique centrale. Il a obtenu le prix de recherche en 1988, délivré par le chroniqueur de musique congolaise. Il a joué deux fois à l'Olympia. Seule une personne l'avait fait avant lui. Il a dominé la musique congolaise pendant une décennie, les années 90. Héritier d'une culture qui a élevé même le pleur au niveau des arts. Kester a contribué à la valorisation de notre musique et a imposé celle-ci sur le marché mondial de la culture. Son combat contre l'homogénéité culturelle, la diversité des thèmes exploités dans ses chansons, le hisse au panthéon de notre musique et de la culture planétaire. Encadreur de jeunes, King Kester Emenea a appris à partager avec les autres les dons les plus précieux dont la Providence l'avait doté. Il s'est préoccupé du sort des personnes en difficulté comme la femme stérile, Mokabin Kop, stigmatisée dans la société. Dans ses cercueils repose ainsi pour l'éternité dans la paix un artiste d'exception, un maître, un digne fils de la République, de sa province et de sa ville natale. Notable, il est né. Immortel, il le demeure. Non seulement à travers l'immense patrimoine musical qu'il laisse en héritage à l'humanité entière, mais aussi à travers l'une des principales rues
de la ville de Kikwit, que nous baptiserons très prochainement en son nom. Toute la population de la province du Bandundu se souviendra de l'ambassadeur de sa culture. Elle s'est joint à moi ce jour pour exprimer sa profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand mécène des arts et des lettres, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, pour leur engagement généreux dans l'organisation de ces funérailles. Merci à vous tous, Kinoises et Kinois, et à toutes les Kinoises pour avoir honoré dans la dignité la mémoire de Kester. Merci à tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour s'impliquer dans l'organisation des funérailles. Merci aussi aux membres de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial du Bandundu. Inconsolables depuis l'annonce de la terrible nouvelle de sa disparition, tous les Bana Bandundu pleurent leur ambassadeur. Merci pour leur témoignage de compassion et de solidarité. Au moment où tu rejoins dans l'au-delà tes ancêtres, où t'ont précédé déjà Tabouley et Pépé Ndombé, que te dire, cher Kester, tu as été pour nous tous un don des dieux. En toute souveraineté, il a décidé de te rappeler auprès de lui. Que sa volonté soit faite et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu, cher Kester. Adieu, le roi. Merci infiniment. Voici venu le moment de l'oraison funèbre qui sera prononcée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta. À Kinshasa, Ngonga ya oraison funèbre yangoyo. Honorable président, jusqu'aux obsèques qui vont intervenir au niveau de Nécropole, du cimetière de Nécropole, et Emenea nous quitte au moment où il laisse un album en chantier, This Is Me, un album qui n'a pas été fini. Et il se proposait de faire un featuring avec Jacob Desvarieux, malheureusement, le destin nous a séparés de lui à l'âge de 58 ans, après une maladie qui l'a beaucoup terrassé. Emenea s'en va, Banapoto Emenea Kei, Congo, Namalobanea, Souka, Sengaki, Nabanso, Balimbisaye, Namouambeba, Namouamikamukem, Keselmaki, Binopeba, Napoto, Epa, Ezali, Bolimbisaye, Ah, on a qui ça, ça. Tous les bons comme les Emenea, na malita, et pas Yakopema, pour na seco. Maintenant, Domingue, papa, Galuzolo, Emenea, Mekwenda, Sinkester, Emenea, Zutunayandi, Kenakuenda, Malembe, Malembe, Moutimani, Kenakumana, dans le cimetière, y'a Nécropole, entre ciel et terre. Kuna na komino ya nsela wa nabanda Kinshasa beli kena kulanda beto kile kia di mingi Kinkester mekwenda Kinkester mebikisha kuwala ya Kongo Demokratiki ya nimekwenda na maboko ya Mfumu Nzambi beto za Bavenza mifona Bumba Yandi na kati ya Dia na Yandi to na kati ya Bilanga na Yandi samu na Kusadila Yandi yani pe imbilaka samu na Mfumu Nzambi mutinu meni kena kumona bantu vandaka mingi au na pale di peple na kudila Kinkester emene ya bampangi ya Luzolo kasi ya Tseleka beto kibeni ke kukafe niki mutindu kutala bizizi to bizuzi ya mutindu yae ke pesa beto mpasi mingi ya Tseleka bana nyonso ya Bakongo, bana nyonso ya Bandundu, bana nyonso ya Kongo Demokratike kia kere mingi tala mutindu Kinkester emene ya mefwa beto kere na kiadi dibuta nyonso ya bana Kongo Demokratike dibuta ya bapolitisien Yavonda dibuta ya baimbidi, yavonda bana ya Bandundu sika wapi yani mebutuka na Bulungu, yani mebutuka na Nkara, yani mebutuka na Due, kuna bakele na kiadi mingi na kumona ti, tala mutindu, Kinkester emene ya Jean, mutu ya wazamani, le Grand King, yani ndeme kusafua, kere mpasi mingi ya sereka na dibaku yai, bambuta mingi kena kupesa, matondo na luyalu mutindu, bamebaka lukano samu na kusadisa, mafua na mutindu yai, na mutindu mosi ambote, mbuta jamarize ngamambu, yani kekabula kiadi mpenza,
Tidi buta yangolo ya King Kester MNA buta James Mukua yandi chef de travaux na system kene na kukabula kiadi na yandi tidi buta ya King Kester MNA bampanga luzolo betke na kulandakana kaka manaka na beto betume kumatete na suka ve kati King Kester MNA yandi na bakena kunata mutino betke na kumona yavanda ba soldat yavanda ba mpuluzi yavanda nkango ya Congo Democratique na Kinshasa mtino na nima na kwenda kulanda Corbiard niki mutino King Kester mekwenda yake ngolo o awa bonso nsaka mutofa makulu bantu ya kufuluka matemu libangu na kujila King Kester MNA beto melemba kutuba beto kena kuwa kiadi mpasi mingi na ntima bampanga luzolo beto nyoso ntima mwesi na kujila King Kester MNA mkwa mambu mutu ya mepesa kiese na kati ya Congo Democratique mutu mepesa kiese na bana ya Congo na kuwa miyimbu ya kitoko mutu mepesa kiese na ina metala mambu ya kulanda malongi ya Nzambi yani imbila kanzambi na paro Sainte Marie na Kikwite yani meimbila ntoto yae yani meimba luzingu ya bantu yani meimba hiki mutu mbetu fona zinga na kati ya makanda na beto King Kester MNA bubu yae yandi mekwenda bampangia luzolo kele kiadi mingi matie mudi bangu King Kester MNA mekwenda beta mwona ni dafe ata beta wabankunga na yandi to miimbu kasi beto tamwona yandi dafe hiki kele di banta nange mpangi na mwona na yoki pasi na mwoni ngai mamile la atangisi pinzoli omiso ele mboli ya botali siete King Kester akei libela tokomona alisusute pasi na mitema pasi na ba Kongole, pasi na bapaya. Tozali kolandana lokola motuka esili kobima olobala ya Palais du Peuple. Bazali kokamata sika nzela ya Boulevard Triomphal. Triomphal, malembe, bakozwa Lumumba, kino bazako kendo komini ansele, omalita ma necropole, King Kester MNA, kende malamu. King Kester MNA kwa mambo kachena wa moi karima na kufu jiba ni jiba jidini maloaji patu ditula kamu kanapa bakariba mana kwa ngata mubili wenda bela mu kajendrendele kariba bigla se Corbiard ukariba mana kwekala mupatuka mufika mu Boulevard Triomphal mugiba ya batangila mu komini wansele mu necropole mwaba uji adres mupia ujibu ni chakujika King Kester MNA. King Kester MNA mujile kudibantu bafitabuni. Nanga ababa vumika la wimba nabu misambu walu wa Felix waze kumukua bongo kavubu kuwachi munuemu nutangila kumesu munyana yonso we mutangila we rason kamufu mushindu we ukutangila jibe mpiana chituka yeye jibridu ufika we kusanga nabu wase mufu anamene kulala pamutu pamushete vyonso webi mwa kuleje se uvu bigala bananga umo wakujibu Nzambi umbushi umo wakujibu bakumuna mushindu wakumupingaja kujimujinga bakumupingaja mwena kwamba se muntu yonso panapanshi wa buloba manya mwakwenza malu makana malu ajimwakukulongolola malu ajimwakujajika wakumanya se nchini chichikengela mwakwenza kwa lelewu muntu ni muntu wakumubajila vyabunyi kumalu ajiwenza nikabene mabajila muntu kumalu ajimwikala utamba kuikala mumanyi ikala manye se mungenze ni wamalu onso batipikala bajinza kumanyi njo manye se mamilela umwikala mufila ni mwamba ujini temonyaji mishile shilangana idimikala ya mianda idibubikala bajadika se King Kester MNA umwikala nganyi chake siji King Kester MNA mekwenda bampanga luzolo betike na kulomba na baina nyoso ke bana ya limete bana ya kasavubu limete ata na ndambo Victoire kumatafyoti na matete beno bana ya masina beno bana ya njili beno bana ya kimbanteka mvimba beno telama na balabala mingi na kupesa mbote ya ntuka na King Kester MNA King Kester MNA nkwa mambu nkwa ngu MNA otikibiso Sango ikomelinga imba pangi boyoka Sango amabe hoye bukinga mikuwa Nalali nalamuki na sango ya mabe Baebi singe mene ya kati mutema Na bele liye na nyanzi melangai Fami ya ba musicien na mawa Ya kingoke hata ilakate
tobanzaki okei poto pe okozonga ala lelo tokomi kolela yo mawai mawa pasi na motema mawa nzoto ememi ngai nakolela soki nakanisi makambo mingi emene ya leloki yotiki biso na mawa ngai nale ngai nalela ya jean ngai nale Tu m'as évoqué un élément
Tu resteras toujours éternel, à jamais. Y aime le foie de l'eau, le fond la yukala du ma maison. Banama kele kele baleli, yévala malakose ake. Obo de shiribu, moubin kouti de tabou tilela. Malakose,